Proverbe 4, verset 12. De sa parole, de son esprit, chers frères et sœurs, la louange sera plus facile. Nous allons publier la louange du Seigneur. Mais si le cœur est fermé, chers frères et sœurs, aux choses de Dieu, si le cœur est hermétique à la parole du Seigneur, il nous sera difficile, chers frères et sœurs, de manifester la vie du royaume. Dieu veut remplir notre cœur, mais il ne pourra remplir ce cœur que si nous lui donnons la possibilité, alléluia, si nous nous ouvrons à lui. C'est nous qui devons ouvrir notre cœur, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est nous qui devons, nos cœurs doivent tendre. Nos cœurs doivent tendre vers le Seigneur. Alléluia. Nos cœurs doivent tendre vers le Seigneur. Vous savez, le monde peut nous empêcher tellement les choses du monde. Nos vies, les choses du monde peuvent empêcher le Seigneur de rentrer. Quand Jésus, quand Marie était enceinte de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cherché une place à l'autel. Alléluia, mais il n'y avait pas. L'autel était fermé. Donc, il n'y avait pas de place pour ce garçon. Donc, ils étaient obligés de trouver une place dans les étals. Alléluia, regardez un peu l'autel. Ils ont cherché une place à l'autel parce que Marie était en voie de mettre au monde le roi des nations, le roi des rois, le fils de Dieu. Et il n'y avait pas de place. L'hôtel, c'est un lieu d'activité. C'est un endroit, ça représente le monde. Hein. Dans les hôtels, c'est là où il y a des rendez-vous d'adultère. C'est dans les hôtels que les hommes, ils vont tromper leurs femmes, les femmes vont tromper. Mais il y a toutes sortes de trafic, des affaires, chers frères et sœurs. C'est le monde. Alléluia. C'est un lieu d'activité. Il y a des salles, dans les hôtels, il y a des salles de conférences, il y a des boîtes de nuit dans l'hôtel, donc ça représente le monde. Et il n'y avait pas de place, donc le monde ne veut pas de Jésus. Jésus a voulu rentrer dans l'hôtel, comme ça, une façon d'apporter la lumière. Là où il y a les ténèbres, ils n'ont pas voulu, mais c'est dans une étable. C'est dans une étable que Jésus est né. Une mangeoire, regardez, une mangeoire d'animaux. Une mangeoire d'animaux, ça ne fait pas beau.
Imaginez un peu que vous allez dans une maison, quand on a des invités, on se précipite le plus souvent à les présenter des endroits qui sont bien dans notre maison. Mais là où c'est sale, parfois on couvre. Alléluia. Si on a un canapé qui est déchiré, on va chercher un drap bien propre pour couvrir, pour que les gens ne puissent pas voir parce que ça nous fait honte. Mes chers frères et sœurs, le cœur, c'est la partie la plus sale de l'homme. Et c'est dans cet endroit que Jésus veut naître. Et peut-être qu'il y a des endroits dans nos vies qui ressemblent à des étables où on ne peut même pas amener nos gens, ceux-là qu'on dit être nos amis. On dit non, mais je ne peux pas l'amener, je ne peux pas lui dire cette chose parce que tellement ça nous fait honte. Alléluia. Mais c'est Jésus, lui, veut rentrer dans cet endroit pour nous transformer. Il veut apporter sa lumière. Mais c'est nous qui devons ouvrir, nous devons nous ouvrir entièrement à Christ, frère. L'œuvre de Dieu ne peut se faire dans notre vie que si nous nous offrons entièrement. On ne peut pas servir Dieu avec un cœur double, un double cœur, un cœur partagé. Chers frères et sœurs, c'est impossible. Nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas être partagés entre les choses de la chair et les choses de l'esprit. On ne peut pas être en même temps dans le monde. On épouse la figure du monde comme des caméléons. On fonctionne et évolue comme des caméléons. Là où on est, là, on est dans un endroit. Puisque le caméléon, c'est un animal qui prend la couleur du milieu dans lequel il se trouve. Si cette maison est... imaginez un peu que c'est un caméléon qui vient ici. Si cette maison est peinte en blanc, ben, le caméléon va prendre cette couleur. Mais on ne peut pas prendre la figure du monde, chers frères et sœurs. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On ne peut pas, parce qu'on est avec des païens, on commence à parler comme eux, quand ils parlent du sexe, et puis ils rigolent, et puis nous aussi, on se met à rigoler. Chers frères et sœurs, ça dit qu'on est un anti-témoignage. Il faut que le monde voit, les gens voient la vie de Christ en nous. Peut-être que ça sera la prédication de ce matin. Chers frères et sœurs, nous devons garder notre cœur, parce que c'est là que Dieu veut mettre les sources d'eau vive, les sources pour abreuver nos frères et sœurs, pour abreuver les nations. Et le Seigneur va dire dans Jean chapitre, Jean, l'évangile de Jean, oui, Jean chapitre 7, verset 37, que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, les sources d'eau vive couleront de son sein, c'est-à-dire de son cœur, jusque dans la vie éternelle. La vie chrétienne, chers frères et sœurs, la vie dans le royaume des cieux, c'est une vie de renouvellement. On ne peut pas se fatiguer avec la vie de Dieu parce qu'il nous renouvelle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se fatigue pas. On peut connaître une fatigue sur le plan physique, mais spirituellement, nous sommes en jambes. Nous sommes opérationnels, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu nous réveille par son esprit parce qu'il ne sommeille ni ne dort, nous dit l'Écriture. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas sommeiller, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas dormir sur le plan spirituel. Alléluia. Nous serons en alerte, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour répondre à toute forme d'attaque. Alléluia de l'ennemi. Gloire à Dieu. Donc Dieu veut que nous lui donnions nos cœurs, chers frères et sœurs. Parce que c'est là qu'il veut vivre. C'est là qu'il veut remplir notre vie, chers frères et sœurs. Et ce monde qui est complètement assoiffé, aride, sec, Dieu veut abreuver le monde au travers de notre vie. Alléluia. Dieu veut s'appuyer sur son Église pour bénir les nations. À lui soit toute la gloire. Nous continuons la louange et l'adoration et on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu.